Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous une bonne nouvelle. C'est la Kiax Bonne Nouvelle du Jour. Nous allons parler aujourd'hui d'interdépendance, nous allons parler de connexion avec les autres et surtout cette capacité à accomplir de grandes choses qui nous dépassent lorsque l'on parvient à s'associer avec vos partenaires, vos associés, les personnes qui vous entourent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Et lorsque vous suivrez ce partage du jour, vous serez en mesure d'accomplir de plus grandes choses que vous accomplissez aujourd'hui dans votre business, dans vos affaires, dans votre vie. Juste avant d'aller plus loin, cette Kiax Bonne Nouvelle fait partie de mon guide des 101 citations les plus inspirantes que j'ai rédigé. Vous pouvez cliquer ici quelque part sur ce site pour télécharger un exemplaire gratuit. Il y a dans la description des liens ou quelque part sur cette page. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir une nouvelle page et ensuite vous pourrez re-suivre cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Kiax Bonne Nouvelle de ce jour? Elle nous dit ceci. Les grands projets ne s'accomplissent que lorsque l'on décide de ne plus être dépendant ni indépendant, mais interdépendant. Les grands projets ne s'accomplissent que lorsque l'on décide de ne plus être dépendant ni indépendant, mais interdépendant. À quoi est-ce que je pensais lorsque j'ai rédigé cette phrase? Je pensais à toutes ces personnes, ces entrepreneurs que je rencontre souvent quand je fais des groupes de cerveau collectif, des réunions avec certains entrepreneurs très passionnés et qui accomplissent de belles choses dans leur vie, dans leur existence, qui ont un beau degré de réussite. Et lorsque l'on se rencontre, on se rend compte bien souvent que les entrepreneurs travaillent de leur côté et se disent que quand je suis seul, je me sens mieux, je me sens plus fort. Et lorsqu'on réussit un peu isolé du monde, on a le sentiment qu'on n'a besoin de personne, que notre réussite est belle et bonne et que comme on est isolé, on devrait continuer à rester dans cette posture-là, dans cette configuration-là pour continuer à avancer. Mais quand on reste isolé en tant qu'entrepreneur, on se rend bien compte que malgré l'effort, malgré les succès, on reste limité tout de même à un certain niveau, à un certain palier, à un certain degré. C'est peut-être pour vous doubler votre chiffre d'affaires cette année, doubler votre clientèle. C'est peut-être pour vous doubler votre relationnel avec l'entourage, les équipes, les partenaires, les clients, les collaborateurs, la famille et l'entourage. C'est peut-être pour vous gagner plus en liberté, en succès, en réussite, quelle que soit la chose qui est importante pour vous. Observez la situation que vous vivez en ce moment et il y a un palier que vous voulez dépasser, que vous voulez franchir, que vous voulez atteindre, mais il y a quelque chose qui vous freine. Vous ne savez pas quoi, puisque vous vous en sortez très bien, selon vous. Alors bien souvent, c'est parce qu'on pense qu'il faut être indépendant. Certains pensent qu'il faut être simplement indépendant, donc j'ai besoin de personne pour réussir. Quand on est indépendant, on peut avoir de réussite, mais jusqu'à un certain stade, à un certain degré. Et lorsque l'on est de l'autre côté, l'autre extrême, dépendant, on n'a pas beaucoup de succès parce qu'on attend toujours que ça vienne des autres. Et lorsque le succès vient, on a le sentiment que c'est le succès parce que peut-être qu'on vous a offert un voyage. On vous l'a offert, c'est pour vous quelque chose de génial parce que c'est un succès, mais il est éphémère, vous avez besoin des autres, c'est aussi une mauvaise stratégie. Être interdépendant, et les grands projets ne s'accomplissent que lorsqu'on comprend qu'on est interdépendant. Être indépendant, c'est de se dire qu'on a besoin mutuellement les uns des autres. Même si vous êtes performant, vous réalisez de beaux succès, que je le fais, ensemble, on peut être encore plus fort. On peut s'associer, on peut échanger, on peut créer des partenariats, on peut créer une vraie force pour aller à un autre stade, amplifier nos relations, amplifier nos affaires, amplifier tout ce que l'on veut mettre en place pour servir plus notre communauté, nos clients et tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment essentiel à comprendre que les grands projets ne s'accomplissent que lorsque l'on réalise que l'on n'est ni dépendant, ni indépendant, mais interdépendant. Là, il y a une vraie connexion qui se fait. Peut-être que vous et moi pouvons connaître ce succès, mais si on veut aller plus loin, il faut comprendre cette phrase et le mettre en pratique. Maintenant, à vous, posez-vous un instant dans votre vie, dans votre business aujourd'hui. Quelles sont les choses que vous voulez accomplir, les paliers que vous voulez atteindre? Même s'il vous semblait très éloigné, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Sans doute parce qu'il vous manque certaines ressources, certaines compétences ou certaines idées, certains échanges qui se rencontrent parfois dans les clubs de mastermind, dans les échanges, dans les séminaires, dans les rencontres, en faisant un échange avec les autres. Dites-vous comment faire pour pouvoir entretenir ces relations avec les autres, connecter avec les autres et de grandir ensemble, d'apporter ma plus-value, ma valeur ajoutée et de recevoir celle des autres avec un principe à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour votre projet, gagnant pour le leur et gagnant pour votre projet commun, ce qui crée cette vraie indépendance. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette Kiax Bonne Nouvelle, vous pouvez me le montrer en cliquant quelque part sur cette page. Il y a probablement une possibilité d'aimer cette vidéo ou de la partager. Vous pouvez également télécharger le guide
de la réussite stratégique ou le guide pour créer des partenariats stratégiques justement, ou le guide pour développer un business avec 83 idées de sujets, de thématiques, de business à profit. Tout est dans la description, c'est inscrit, vous pouvez cliquer dessus, c'est un cadeau de bienvenue que vous pouvez recevoir maintenant. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous parce que les bonnes nouvelles, comme je dis toujours, sont faites pour être partagées et non pas pour être gardées pour soi-même. Je l'ai fait, à vous de le faire maintenant, partagez cette vidéo autour de vous pour en faire profiter aussi aux personnes qui vous écoutent, qui vous suivent et qui vous font confiance. Mes meilleurs vœux de succès, mes meilleurs vœux d'amitié pour vous. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour partager avec vous une autre bonne nouvelle, une autre Kiax bonne nouvelle. C'était Zico Kiax, cliquez dans la description et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Merci.